beaucoup, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien hein, en cette journée de Toussaint. Donc déjà une pensée à tous nos saints. Hein. Enfin, pas ceux-là, hein. Je veux dire ceux qui sont au ciel, hein. Une pensée pour eux parce que là-haut c'est leur fête, alors ça se trouve ils font la fête, hein. Ils sont en train de faire une grosse teuf. Hein. Et voilà, donc bonne fête à tous les saints. Voilà, vous avez compris. Alors, que je voulais dire. Donc aujourd'hui, on est donc le 1er novembre. Hein. Si, la Toussaint, c'est le 1er novembre, jusqu'à ce qu'ils changent la date. Hein. Je sais pas, c'est peut-être pas prévu au programme. Enfin, donc du coup, comme c'est vraiment la Toussaint et que je vais rien faire aujourd'hui parce que, hein, moi j'ai la loose. J'ai la loose. On va juste ouvrir le colis de. On va juste faire ça. Ouais, juste faire ça. Je sais même pas si je vais tout ouvrir parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'aille au boulot. Si, il faut que j'aille au boulot. Et donc voilà. Alors, hier, vous savez, on a fait. Pourquoi je vous parle de ça? J'en sais rien. Je sais pas, on a fait cette carte-là, vous savez, Halloween, là. Hein, c'est très joli, hein, c'est très chouette. Elle est très mignonne, cette petite carte. C'est. Si, c'était Halloween, ici Louze, le tuto de la Louze. Alors, et puis, alors, vous savez, je vous ai lu une histoire comme ça. Je l'ai très mal lue, d'ailleurs. C'est très mal lu, mais bon, c'est pas grave. C'était l'histoire, là, de Boubou. Hein. Et alors, certaines d'entre vous m'ont demandé ce que c'était comme livre, si je pouvais redire le nom et tout ça. Alors, c'est Boubou. C'est de Amandine Dugon, Ingrid Chabert, édition Les Rêves Bleus. Hein, voilà, c'est ça. Hein, voilà. Pour celles qui voudraient l'acheter pour leurs enfants. C'était tout mignon. C'est vraiment des belles petites histoires. Ces filles, elles font des super histoires et tout ça pour les enfants. C'est vachement bien. Moi, j'aime bien. Ouais, bah, j'ai le droit de dire des histoires d'enfants. Hein. Non, mais c'était pour Halloween. C'était pour Halloween, donc je trouvais ça super sympa. Mais je les garde pas ces livres-là, moi. Après, je les rends. Hein. Je les emprunte et puis après, je les rends. J'irai le rendre. Je voulais le rendre ce matin. Puis, comme on m'avait posé la question, eh bien, je me suis dit, bah, j'irai le rendre demain. C'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Donc, voilà. Hein. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est des histoires. Enfin, je trouvais que l'histoire, elle était toute mignonne. Hein. Moi, j'adore les dessins animés, j'adore tout ce qui concerne les enfants, j'adore, sauf les enfants. J'ai toujours rêvé d'en avoir, maintenant que j'en ai pas eu, je me dis, quand je regarde les autres, je me dis, oh là, j'en ai pas eu, tant mieux. Je déconne, oh, on a le droit, hein. Donc voilà quoi. Non, bah, c'est comme ça, c'est la vie, donc il faut faire avec ce qu'on a dans la vie, hein, et puis faire surtout avec ce qu'on n'a pas, hein. C'est ça. Allez, on y va déjà. Déjà, comme j'ai pas de. Non, je n'ai pas d'agenda parce qu'il doit être là-dedans. Hein. Il doit être là-dedans, hein, sûrement. Hein. Donc aujourd'hui, on est le 1er novembre. Hein. Ça y est, on attaque. Hein. Respirez l'odeur vanillée, épaisse et sucrée d'un vrai chocolat chaud juste avant de le déguster. Hein. Alors là, mon. Ouais, bah, c'est la Toussaint, j'ai le droit de parler de mon papa. Mon papa, il me faisait du chocolat chaud avec du vrai chocolat. Du chocolat, des tablettes de chocolat. Et il me faisait ça. Il me faisait du vrai chocolat. Voilà. Ils faisaient fondre le chocolat dans du lait, hein, et puis voilà. C'était très bon. Donc, ça me fait penser à lui. C'est ça. C'est vrai, il faisait ça. Ça, c'est du vrai chocolat, ma fille. Mais moi, j'aime bien le Nesquik. Hein. J'aime bien le Nesquik. J'ai le droit d'aimer le Nesquik. D'ailleurs, je suis en rupture. Je suis en rupture de Nesquik parce qu'hier soir, j'ai mangé plein de bêtises. Ah, oh, j'ai le droit. Hein. J'ai mangé plein de bêtises et donc, du coup, j'ai fait un petit Nesquik avec des petits princes. J'aime bien les petits princes, moi, trempés dans le Nesquik. J'aime bien, j'aime bien. Si. Je préfère les petits princes que les BN. Alors les BN c'est bien mais ça fond trop vite. Hein. À chaque fois je me retrouve avec le BN qui se casse la binette, qui se comme ça, qui se dissèque, qui se dit enfin il se désintègre dans mon Nesquik et j'aime pas trop ça. La bouillie de BN dans le Nesquik, je suis pas très fan. Hein. Je préfère les princes et puis c'est tout. C'est pas ma faute si je préfère les princes. Les beaux princes. Alors, vous avez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Humour, humour. Moi, j'en ai pas d'humour. Ouais, non, pas du tout. Hein. J'aime que le mien. Hein. Celui des autres, je le comprends jamais. Je déconne. Alors, humour, humour. Les habitants de la ville de Villechien n'ont que des chats. Si, c'est marqué ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas marqué ça. Les habitants de la ville de Villechien, dans la Manche, hein, s'appellent les Toulous, les Toutouvillaises et les Toutouvillais. On est très contents, hein, ça s'appelle les toutous. Hein. Le ville-chien s'appelle les toutous. C'était tout mignon. Hein.
C'était tout mignon, mignon, hein. Bah, c'est très drôle. Hein. Où t'habites? Bah, dans ma culotte. Mais si. Allez, on y va. Les toutous, les toutous, les toutous, c'était tout mignon, mignon. Mais si. Alors, il paraît qu'il y a des villes qui n'ont pas de, ils n'ont pas de, ils ne savent pas comment ils s'appellent. Non, ils habitent à je sais plus où et alors ils n'ont toujours pas de nom. Ouais. C'est triste. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah non, j'ai une petite. Ah, tu attendras encore un petit peu. Si, tu attendras un petit peu. J'ai reçu une petite carte hier de Janine. Janine, c'était la maman de ma cousine. C'est vrai en plus. Si, elle s'appelait Janine. Et alors, elle était impotente, cette femme. Si, elle était impotente. Alors, voilà. C'est pas de sa faute. Hein. Non, c'était pas de sa faute. Hein. Donc, elle faisait rien, du coup. Non, elle faisait rien. Non, c'était le gros bins, mais on s'en foutait, nous, les gosses. Alors, c'est un T2L. Elle a fait son T2L. Regardez, elle a donné sa langue au chat. Hein. Elle est vachement bien faite. Hein. Vraiment super, super, super. J'adore. Avoir un... Ah non, c'est avoir un chat dans la gorge. Alors, je suis complètement nulle. Hein. Si, c'est avoir un chat dans la gorge. Hein. Elle est très jolie, hein, ta carte. J'adore, j'adore, j'adore ce que tu as fait. Hein. C'est vachement bien fait. Hein. J'adore. Il est super. Super, super ton T2L. Alors, Janine, tu es le T2L. Ah, alors, je sais pas. Alors, attendez. T2L 44. Si, tu es le 4-4. Si, 44. Hein. Attends, je le note. Je le note, je vais l'oublier sinon. Et alors, tu peux faire ton addition. Tu peux faire. Hein. Alors, il paraît qu'on a notre premier. On a notre premier Toto jumelle. Et on a un Toto jumelle, le 615. Hein. On a deux 615. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire? Hein. Je réfléchis. Hein. Vous savez, je réfléchis. Je réfléchis depuis qu'on a notre premier duo de Toto. Si, on a ça. Alors, je vais compter le tien. Je vais faire le tien parce que j'ai pas fait celui de hier. J'ai pas fait celui de. Non, je l'ai pas fait. Bon, ah ben non, j'ai pas de calculatrice. Bah, tu le feras. Hein. Tu le feras. 171 plus 59 plus 47 plus 13 plus 44 égale Toto. Le Toto de tous les Toto. Hein. Je le ferai quand j'aurai ma calculatrice. J'en ai pas. J'ai rien. Ouh là, quelle est jolie ta carte. Eh ben, le chat, le chat, le chat. Hein. Le chat machine, il est passé à la machine, lui. Hein. Passez votre chat à la machine, faites-le bouillir. Voilà ce qui arrive après. Il est tout bourriffé. Il est tout bourriffé. Hein. C'est le chat machine. Le chat machine. C'est quoi ça? Ah, c'est un badin. Je t'enverrai. Hein. Je t'enverrai un peu de lessive hein, pour le chat. Pour le chat. T'étais tout mignon, mignon. Alors. Je vais lire mon petit mot. C'est un petit mot. Eh, un petit mot. Hein. Je vais pouvoir faire mon toto. Bah oui, fais ton toto, hein, tu me diras. Hein. Et si, hein, j'espère que c'est pas 615, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir s'il y a que des 615. C'est ça. Non, on peut mettre. Et on, il faut trouver une idée, hein, trouver une idée un petit peu, parce que moi je suis à court d'idées. Hein. C'est ça. Et je suis à court d'idées, j'ai bien des idées, mais bon, pas tout de suite. Hein. Je vais pas tout vous dire tout de suite. Hein. Non, je vais pas tout vous dire tout de suite parce qu'après, il n'y a plus de surprise. Hein. C'est comme hier, les filles, j'ai des abonnés qui m'ont dit « Alors, tu fais quoi? Tu t'es pas déguisée pour Halloween, tout ça ?» Non, on peut pas toujours faire ce qu'on veut, vous savez. Et puis, j'avais pas le temps, puis machin, puis j'ai pas mon déguisement. Non, je n'ai pas mon déguisement de sorcière. Hein, il était dans le carton, c'est vrai en plus. Hein? Et alors, donc, comme il était dans le carton, bah, pff, je l'ai pas ressorti. Hein. Oh non, non. Surtout le carton, je l'ai rangé en bas et tout. Hein bon. Alors, donc, du coup, non, je n'avais plus de déguisement. Hein. Bon, il y a de quoi se déguiser. Hein. Je suis déguisée toute l'année, moi. Normal, j'ai rien à faire, je suis déjà déguisée. Mais bon, je ne peux pas vous faire la même chose tous les ans. Hein. On s'ennuierait. Hein. Ben, si, on s'ennuierait. Enfin, moi, je m'ennuie si je fais toujours la même chose. Hein. C'est pas ma faute, hein. J'ai le droit quand même. Alors, donc, voilà. J'ai plus de cutter. Non, j'ai plus de cutter. Non, mais non, j'ai rien. Hein. Il est où mon cutter? Comment je vais faire? Allez, là. Il est là. Allez, on ouvre. Donc, Véronique. Alors, on m'a demandé. Ah, si, tiens, je réponds à Françoise. J'ai vu un message passer où elle disait Véronique, là, pour le. C'est laquelle, Véronique? Est-ce que c'est ton binôme pour l'agenda, là? Non, non, c'est pas mon binôme. Non, non, c'est pas Véro. C'est Véronique Masse, là. C'est pas la même. Non, ce n'est pas la même. Il y a beaucoup de Véro d'ailleurs. Hein, dans notre groupe, il y a beaucoup de Véro. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était parti. Je ne sais pas qui c'est. On est passé de 225 à 224. Je ne sais pas qui nous a quittés sans nous prévenir. Si, c'est triste. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quelqu'un est parti. Et quelqu'un est parti.
Ça, c'est triste parce que j'aime bien. On me demande pour venir, mais par contre, on me dit pas pour partir. Ça, j'aime pas trop. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais avec. Hein. Ben, c'est pas très grave. Mais bon, je sais pas. Non, je sais pas qui c'est qui est parti. Si vous, vous savez, en laissant un message privé, bien sûr, dites-le-moi. Dites-moi même qui est parti sans nous prévenir. Mais dites-le-moi. Dites-le-moi juste comme ça pour savoir, nanana, pour savoir qui m'avait demandé de rentrer et qui est parti sans me prévenir, quoi. Alors donc, ouais, c'est sûrement une personne qui se plaisait plus chez nous, hein. Ah, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, hein. Alors, il y a du papier peint là. C'est pour ma future maison, hein. Alors donc, oh là, tout ce qu'elle a mis, mais oh là là, oh, le délire, le délire, le délire, le délire, hein. J'avais pourtant dit de rien à mon... C'est vrai, hein. Non, c'est vrai. C'est une folle, hein. C'est une folle. En tout cas, c'est bien présenté, bien préparé, bien emballé. Voilà, quoi, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà, bon, bah, hop, c'est bon. Non, il n'y a rien à dire. Non, je déconne. Alors, je vois qu'il y a un slip là. Je vais commencer par le slip d'ailleurs. Il y a le PTP, il y a le HHH. Ah oui, parce qu'elle avait. Ah oui, mais elle me l'avait. Je crois qu'elle me l'avait dit. Hein. Je crois qu'elle me l'avait dit, mais bon, voilà quoi. Tiens, du rhodoïde. Ça, c'est bien ça. Je le garde, j'ai le droit. Hein, pour faire des shakers. Hein. Je le garde. Déjà, ça, je ferai un rhodoïde. Ah, un rhodoïde. Je ferai un rhodoïde. Je ferai un rhodoïde. Oh là, il y en a plein des choses. Alors, il est vachement beau le slip. Hein. Si? Il est super beau. Hein. Waouh. Les petits neuneux. Les petits neuneux roses. Hein, les petites fleufleurs. Si, il est très beau. Hein. Si. Regardez-moi ça, c'est très très beau. Hein. Ça, c'est le slip de Sheila, hein, dans les années 80. Ah, si, hein. C'est très joli, hein. Il est magnifique. Hein. J'ai envie de le mettre. Moi, hein. Bon, j'ai envie de les mettre hein, quand ils sont très beaux comme ça. Hein. Vous voyez, j'ai envie de les mettre. Ben, je peux pas, mais bon, hein. C'est dommage, hein, c'est très dommage. Alors, alors, il faudra que je note. Il faudra que je note T2L44. C'est pour ma. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Alors attendez, c'est ça. Donc c'est un slip, c'est un slip, hein. C'est un slip, c'est le slip de Véro. Hein. Et alors c'est le 122. 122. 120. Je prends des notes, hein. Je note en même temps et tout. 122, hein? D'accord? Bah d'accord, de toute façon t'as pas le choix, t'es 122 puis c'est et tout. Hein. Regardez comme il est vraiment très beau, hein. Vraiment très beau, hein. C'est un slip magnifique. Hein. Ensuite nous avons le HHH. Regardez, elle a les mains vertes. Avoir la main verte, moi j'ai pas la main verte. Non, non, j'ai pas la main verte, je fais tout crever moi. Si, je fais tout crever. Donc elle a le cœur, machin, la bague, la montre, l'heure, les machins, les trucs, tout ça. Hein. 12 expressions à trouver. Oula, 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 oula. Alors là, moi je suis nulle. Hein. Avoir le doigt dans la poche, si c'est ça. Être à l'heure. Penser à. Si, ça c'est AV2F. Hein. Et alors ça c'est quoi? Se laver les mains. Ça c'est écrire avec le pouce. Oui. Ensuite là, avoir le doigt dans le sac. Avoir des pieds à la place des mains. Montrer la direction. Hein. Oui. Enfin, ou avoir le doigt dans le... Je ne sais pas. Ça, j'ai un doute. Je pense que c'est avoir le doigt dans le fion. Ça c'est quoi? Avoir le feu au cul. Oui. Enfin, un truc comme ça, hein, au doigt. Je sais pas. Et là, descendre du petit doigt. C'est ça. Voilà, j'ai trouvé toutes les expressions. Je suis sûre que c'est ça. J'ai tout gagné, j'ai tout gagné. D'abord, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, 282. Hein, tu es le 282. T'es à fond dans le 2. À fond dans le 2. Hein. HHH 282. Voilà. Très magnifique. Hein, je te foutrai dans le carton avec tout le monde. Il y a le PTP. Le PT... Oh, il est beau ton PTP. J'adore ton PTP. Hein. J'adore son PTP. C'est avec tous les, vous savez, les points qu'on touche pour se guérir. Hein. Si, si, hein, bah, si, si, si. C'est ça, prendre son pied, c'est bien. Parce que suivant où vous touchez votre pied, où vous massez, où vous faites des points comme ça, vous appuyez là, paf, ça soigne la thyroïde. Vous appuyez là, paf, ça vous soigne l'épaule. Hein. Vous appuyez là, paf, ça vous soigne le foie. Hein. C'est peut-être ce que je vais faire, moi, parce qu'avec tout ce que j'ai mangé hier soir, enfin, je me soigne le foie. L'estomac, vous appuyez là, paf, votre estomac, il est guéri. Hein. Voilà, les reins, les machins, le sinus, hein, le sinus de la tête. Alors, le sinus de la tête, vous pouvez mettre où vous voulez. Hein, vous appuyez où vous voulez. Hein. C'est le sommet du crâne, ça. Le sommet du crâne, hein, c'est sur le gros orteil. Hein. Ah, enfin, vous avez compris, quoi.
Ah, tiens, pour la sciatique. Ah, bah ça, je veux bien, ça. J'ai un peu mal au dos. Je me suis fait un torticolis. Alors, ça ne se voit pas comme ça. Non, ça ne se voit. J'ai un torticolis, comme ça. Alors, ça m'arrange parce que quand je vous regarde de ce côté-là, ça va très très bien. Mais si c'était de l'autre côté, je peux pas. Non, je me suis niqué le cou. Je me suis fait un torticolis. Ah, si. Alors, ça c'est de votre faute. C'est avec tous les colis que vous m'envoyez. Torticolis. Ah, si. Alors, les torties, c'est de très bonnes nouilles, hein. C'est n'importe quoi. Donc, ça. N'importe quoi. Donc c'est bien, on est bien, bien, hein, on est bien, on est bien. Alors je vais mettre ça là, pouf, pouf. Et ça, c'est quoi? C'est une lettre, hein? Oui, c'est une lettre, hein? J'ai reçu une lettre, mais là, moi peut-être aspergée de parfum rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien un homme. Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ces i, quelques cons manuscrits comme dans les abbayes, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et moi je suis un homme. Vous avez compris quoi? Saturday Moon Live, son slip. C'est ça, marque déposée. Je vous lis. Moi, j'adore les fautes de frappe quand vous ne vous relisez pas. J'ai le droit. Hein. Ah, j'ai le droit. Moi, non, je n'ai pas peur du ridicule. Vous ne devez pas, vous ne devez pas non plus. Il faut assumer ce qu'on écrit sans se relire. Alors, c'est avec une grande joie que que nous vous offrons notre première culotte SM. Hein. Culotte Saturday Moonlight, hein, marque déposée. Discrète, féminine, raffinée et absorbante en toute situation, la SM vous accompagnera partout dans vos soirées endiablées. Le SM excite, ainsi, le SM excite en différentes couleurs et différentes tailles. Hein. Tu as marqué. Je sais ce que tu as voulu marquer, mais tu as marqué excite. Alors ça c'est sûr que voilà. Alors en différentes tailles du 36 au 60 taille française. Hein. Retrouvez toutes les informations sur nos sites, sur notre site Saturday Moonlight ainsi. Et afin de faire profiter vos amis de cette merveille, hein, nous vous proposons un code de parrainage moins 50% avec le code NJ Craft and Joy. Hein. Cette offre est valable sur toute la collection et pour une durée illimitée. Hein. Bon à savoir une culotte gratuite pour 5 parrainages. Alors profitez-en. C'est ça, à bientôt et nous restons à votre disposition pour plus d'informations SM Astérix. Petite astuce, afin que vous vous sentiez avant... afin que vous sentiez le frais jusqu'au bout de la nuit, hein, bah c'est normal hein, parce que le SM qui excite, ah bah si. Donc afin que vous vous sentiez frais jusqu'au bout de la nuit, n'hésitez pas à parfumer un peu votre slip, votre culotte, hein, avec votre eau de toilette sur la partie absorbante. Déposé samedi clair de lune. Oui. Ah, SM au clair de lune. Ah là là là. Oui, ça excite. Si, hein? Ah, si. Ah, ça, c'est vrai qu'il est il est très excitant. Ah, il est très excitant. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il est complètement excitant et il excite toutes les tailles, toutes les tailles. On a le droit, non mais dis donc. Alors, ça c'est un joli tag très vintage, très magnifique et que j'ai fait virer le mot. Hein. Un petit belly band, c'est un petit belly band ou une pochette? Ah non, bah c'est une petite belly band tout en dentelle comme ça, c'est très joli, c'est très beau ce que tu as fait. Sans Q, sans Q, sans Q. Hein. Elle a un joli tamponnage comme ça, tout mignon, mignon. Hein. Et alors, il y a des mots, des mots, des mots, des mots. Alors, j'espère que... Nanana. Oui, il est arrivé avant le 1er novembre, puisque je l'ouvre, puisqu'on est le premier, hein, c'est ça. T'écris vachement bien, hein, t'as une belle écriture, dis donc.
Ah, c'est la solution de tous les ce qu'il y avait sur son HHH. Mettre la main à la poche, la montre en main, parle à ma main, parle à ma main. C'est ça. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. T'existes pas. S'en laver les mains, compter sur une main, avoir le cœur sur la main, sac à main, faire des pieds et des mains, main en l'air, main en l'air. La maîtresse en maillot de bain. Mettre sa main au feu, hein, et bas les mains, hein, et voilà. Avoir la main verte. Vraiment très très bien. Tu es la deuxième main verte, car la première que j'avais eue, je m'en rappellerai toujours bien sûr, je ne peux pas oublier, hein, c'est la main de Nicole Tellier, hein, qui, quand j'ai ouvert le colis, apparemment, enfin apparemment, non, je lui ai coupé un doigt, hein, et donc elle avait une main verte, enfin, elle a toujours une main verte, hein, d'ailleurs, mais avec un doigt en moins. C'est pas grave! Je vais recoller, hein, je vais rescouter. Mais oui, c'est pas grave. Donc comme ça, vous savez, c'est comme ça qu'on n'oublie pas les choses. Parce que les choses banales, enfin, vous voyez, ordinaires, machin, on les oublie avec le temps. Il faut marquer les esprits avec des événements. C'est comme ça qu'on se rappelle des choses. Hein. Ben si, c'est comme ça qu'on se rappelle des choses. Sinon, on ne peut pas tout retenir dans la tête. Non, ben, enfin, en tout cas, moi, je peux pas. Hein. Vous pouvez peut-être. Moi, j'ai une mémoire, c'est laisse tomber là. Non, j'ai pas de mémoire, c'est une catastrophe. Hein. Par exemple, je mets je sais pas combien de temps à savoir comment vous vous appelez, qui vous êtes, ce que vous faites. Non, je peux pas, hein. Je sais pas, c'est pas ma faute quand même. Donc voilà, c'est comme ça. Je sais plus qui m'envoie quoi, qui fait quoi, qui quoi, quoi, c'est les corbeaux. Hein. Alors, Belive. Ah, Belive, ah, Belive. J'ai compris quoi. Elle est super belle sa carte, hein. Elle est très jolie. C'est ça, très très jolie. Avec un effet, vous savez, de... Tiens, je voulais vous le faire ça en tuto. C'est une technique, vous tamponnez, ou alors je l'ai peut-être fait, je ne me rappelle plus. Non, je sais pas, je ne me rappelle plus. Vous tamponnez et puis hop, vous reposez. Et comme ça, vous avez un effet, regardez, ça fait joli, ça fait un effet, comment on pourrait dire? Ouais, enfin bon, vous avez compris, vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Elle est très jolie ta carte. Très très jolie, hein. Magnifique. Hein. Ça, c'est des serviettes. Oh, elles sont très belles. Quelqu'un m'en avait envoyé des comme ça. Peut-être, je ne sais plus qui, mais quelqu'un m'en avait envoyé de Frida. Elles sont belles, hein. Et ça, c'est Noël. Hein. Noël, tiradi, Noël. Noël, hein. Et ça, c'est quoi? Oh, c'est chouette, ça, c'est Mickey. Oh, c'est les vieux Mickey, les premiers Mickey des années 50. Hein. Si, hein, c'est très chouette, hein. J'adore. Je les ai regardés. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de paroles hein, ce temps-là. En ce temps-là, j'avais 20 ans, je n'ai fait que passer. En ce temps-là, j'avais 20 ans, la petite sirène, tiens, c'est pour Ariel, ça. Oh, bah, elle est baptisée, hein. Tout ce qui est sirène, maintenant, c'est pour Ariel. Hein. Pas la lessive, hein. Non, pas la lessive, Ariel, la petite sirène. Ça, c'est bon, hein, les petits cupcakes, machin truc, là, hein, des cupcakes, là. C'est très joli, c'est de l'art ça aussi, hein. C'est de l'art. Hein. Si, c'est de l'art, de l'art, de l'art. Oh, un chien, il est beau là, le die cut en bois là, du chien là. Je sais pas ce que c'est comme chien, c'est un dog, un dog quoi. Si, c'est un dog allemand. Non, je sais pas ce que c'est, mais c'est un bulldog. Non, je sais rien, un truc comme ça quoi. Il est très beau, très très beau, hein. Très très magnifique. Hein. Et ça, c'est quoi? Oh là, tout ce qu'il y a là-dedans. Oh, elle m'a fait des jolis, elle m'a fait des jolis sentiments, des découpes de sentiments bonjour comme ça, en comme ça bicolore, noir et blanc. Hein. En noir et blanc, c'est très beau aussi, hein. Très très beau. Oh non, mais t'es folle, tu te rends pas compte tout ce qu'il y a. Oh là 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 là, oh là là, oh le délire. Hein. Non, t'es une bourrique, hein. J'avais dit non, hein. J'avais dit non. C'est vrai, j'avais dit non. Oh, j'avais dit non. Vous n'aurez pas de tuto aujourd'hui, hein. Non, vous n'aurez pas de tuto. De toute façon, c'est férié. C'est pour les enfants, ça, ces pandipandas. C'était pour les petits-enfants. C'était tout mignon. C'est des pandipandas, des stickers, des... Oh, des petits... C'était tout mignon, ça, hein. C'est plein de petites choses pour les enfants, les petits-enfants. C'est pour les petits-enfants, hein. Les petits canards, hein, c'est ça. C'était tout mignon. Et ça, c'est un petit... Oui, c'était tout mignon. C'est une poupette. Hein. C'est un petit tamponnage de poupette. Regardez comme elle était toute mignonne, toute mignonne. Vous pourrez peut-être la mettre en partage, ça, pour que tout le monde l'ait. Hein? C'est bien, ça. Je vais le sortir, je vais le mettre en partage. Que vous en pensez? Vous dites que c'est bien. Hein? Regardez, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent les poupettes. Je vais la mettre en partage. Voilà, je vais la laisser sortir. Hop là.
Ensuite, alors je vais la mettre là parce que sinon je vais la paumer. Je vais la mettre là avec les. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais oh là, c'est une folle. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est quoi ça? Une boîte de prothèses dentaires. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien suite à ma vidéo. Mais dedans, non, il n'y a pas un nouveau dentier. Non, il n'y a pas un nouveau dentier. Il y a des trucs, plein de trucs. Hein. Oh là, tout ce qu'il y a là-dedans. Oh, mais t'es folle. Oh là. Y a, tiens, oh là, oh, ça fait vachement longtemps qu'on n'en a pas entendu parler de nos CPC. Hein. Ah ouais. Mais on n'a plus de temps, on n'a pas de temps. Même certaines d'entre vous, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On fait trop de choses, on fait trop de choses. Hein. Bah oui, on fait trop de choses. Hein. Et puis il y en a qui. On a plus le temps, fait. On va arrêter, on va tout arrêter. CPC. Non, je reprendrai dans mon autre vie, dans une autre vie. Hein. Mais si. Moi, je n'ai jamais rien tombé comme ça. Hein. Jamais, jamais. Hein. Alors, c'est quoi ça? On peut mettre en suspens les choses. C'est pas interdit hein, par la loi. Hein. Pour des raisons XY. Hein. C'est ça. Et c'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Mais c'est fou là! Waouh, mais c'est un joli livre, hein. Mais c'est très bien, c'est très beau, hein. C'est un très beau livre. Hein. C'est des vieilles pubs, non? C'est des vieilles pubs, ça. Hein. Ils sont très belles les images, très très belles. C'est des vieilles publicités, hein, des vieilles affiches de publicité. Hein. Je peux pas tout vous montrer, hein. Mais c'est des vieilles pubs. Bah tiens, les belles de pub. Hein. C'est toutes les femmes qui étaient en pub. Hein. Je sais pas de quelle année ça dit quoi? Attends, hein, attends, enfin, attends, attends. La femme a toujours été en demeure au sujet de prédilection pour tous les artistes. La publicité et ses créateurs n'ont pas échappé à cette constante. Bien agréable pour les yeux. Auteur de bêtes de pub et gosses de pub, Claude Veil et François Bertin s'attaquent aujourd'hui aux belles de pub. Hein. Sélectionnant parmi des milliers de documents, bah, tu m'étonnes. Près de 400 pièces rares, hein. Il présente un panorama à la fois sensuel et souriant de la femme pendant plus de 150 ans d'art. Publicitaire, hein, qu'elle soit ménagère, femme du monde, de la ville ou de la campagne, Lolita ou mère de famille, puissent les amoureux de la femme et de la publicité trouver leur bonheur au fil de ces pages. Ça, c'est sûr, je vais trouver mon bonheur là-dedans. Moi, j'adore, bah, j'adore les femmes, j'adore la publicité, j'adore, j'aime tout, moi, voilà, ça va me plaire, ça peut être ça. Et ça, à ouvrir le 1er novembre, ça tombe très bien, mais je pense que c'est l'agenda, non? Alors, on va le faire en dernier. Je pense que c'est l'agenda, je pense. C'est quoi? Oh, elle est belle la trousse Marguerite. Oh, mais t'es folle, écoute. Oh là là. Oh, c'est une folle. Hein. Oh, il y a plein de trucs. Ah, mais c'est des tisanes. Oh, c'était tout mignon, ça. Je l'accroche où? Comment... Je me l'accroche où? Non, je sais pas. C'était tout mignon. Ah non, c'est pour mettre au bord de ma tasse. Mais je suis nulle, moi. C'est pour mettre au bord de ma tasse, pour mettre le sachet de thé, vous savez. Bah, si. Je n'ai jamais eu. Non, j'en ai jamais eu de ça. Jamais, jamais. Hein. Non, c'est mon premier. C'est mon tout premier. Je suis très heureuse. Mais t'es folle, oh là, tout ce qu'elle m'a mis, il y a un peu de tout. Hein. Je vais me régaler, hein, c'est super. Hein. Mettre ça dans ma petite cuisine. Hein. Si, près de ma petite bouilloire et de mes petits sachets de thé. Hein. Il est beau, elle est belle la trousse, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai le droit de m'en servir pour autre chose. Hein. Ça fait le droit. Hein. C'est un die papillon. Il est beau le die. Hein. Il est magnifique. Hein. Il est très joli, très très joli. Je le testerai, je vais le laisser sortir aussi pour le tester très rapidement. Tout ce qu'il y a, mais t'es complètement ravagée. Oh, je vais pas tout, je vais pas avoir le temps de tout ouvrir, j'y crois pas. Je vais pas avoir le temps de tout ouvrir, c'est pas possible. Hein. Non, c'est pas possible. Elle m'a fait une jolie carte, regardez comme c'est joli. Oh, mais, et tu t'es lâchée. Ah oui, j'aime bien ça. J'adore cette carte, c'est joli. Alors attendez, comment elle fait Alors comme ça, comme ça. Comme ça. Attendez, je me rappelle plus. Ben, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Hein. J'ai le droit de plus me rappeler. Hein. Comme ça. Ah non, bah non, non, mais je cherche s'il y avait un moyen de moyenner. Un moyen de moyenner. C'est très joli, hein. C'est très très beau. Hein. Très très joli. Hein. Comment ça se referme? C'est marrant parce que ça ressemble à un truc qu'on avait fait aussi, mais je me rappelle plus. Hein. C'est très joli, j'aime bien regarder. Hop, on tire comme ça et c'est très très beau. Hein. Ça y est, j'ai compris le système. Oui, oh bah la fille, hein, elle a du mal un peu des fois. C'est très joli. Et là, on peut le mettre comme ça et tout. C'est très beau, hein. C'est très très beau. J'adore ta carte. Très bien faite, très propre, très beau, très jolie. Elle est magnifique ta carte. Je vais la remettre dedans, comme ceci. Très très jolie.
Oh, tout ce qu'il y a. Oh là là. C'est une pocket letter, ça. Oh, c'est un brin de muguet, ça. Oh, mais c'est très joli. Oh là là, c'est très beau, hein. C'est une pocket letter. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu. Oh, elle est magnifique, magnifique, hein. C'est sur le. C'est très beau, très beau, très beau. Puis en plus, ça m'a mis un joli tampon. C'est un joli tampon, ça, c'est quoi? C'est un joli tampon fleur, ça. C'est très beau, hein. Oh, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Profitons des petites choses. Oh, c'est très joli. Le papillon, c'est très beau. Très, très, très joli. Je sais pas si vous. J'espère que vous voyez bien. Elle est jolie, sa pocket letter. Alors, je la défais pas de suite. Et derrière, à chaque fois, elle a mis un petit cadeau, des die-cuts en bois, des petits tampons, des petites étiquettes. C'est du muguet, en fait, ça doit être du muguet. Il est super beau, hein. J'ai hâte de le tester. C'est pareil, je pourrais peut-être vous le partager, hein, tant qu'à partager. Alors, si j'arrive, si je veux pas abîmer, enfin, tant qu'à partager, je vais le partager aussi, hein, parce qu'il faut que je le mette sur du collant et tout ça, là. Faut que je le mette. Alors, je vais essayer de vous le tamponner comme ça pour le mettre avec la petite poupée, hein. C'est joli le muguet. Je pense que c'est du muguet, hein. Enfin, ça ressemble, hein. Après, on peut. Même si c'est autre chose, c'est pas grave, c'est joli. Hein. Je le mettrai. Hein, d'accord? Et plein, plein de jolies, 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 jolies choses. Hein. C'est adorable, adorable, adorable. Et puis là, je sais pas, il y a quoi là-dedans? La curieuse. C'est quoi? Ah, des seaux. C'est des seaux. Les petits seaux d'arbres de vie. J'adore. J'adore, ça me fait toujours penser. Ouais, vous savez, hein, je me répète, hein, je radote. Hein. Comme une vieille machine, hein. Et ça me fait penser à mon papa, hein. C'est obligé, 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 hein. Ça y est, j'ai fait planter un arbre pour lui. Très, très, ils sont mignons tes petits saulettes, tout petit, petit, tout mignon, mignon. Si, c'était tout mignon, mignon, hein. C'est très adorable, très, elle est très jolie ta petite pocket letter rose comme ça. Très, très jolie, vraiment très jolie. Bravo, bravo, bravo. Enfin, en même temps, pas besoin de te féliciter, tu dois scraper depuis un moment. Des petits tags, des tout petits petits tags, des bébés tags. Ce sont des bébés tags. Oh, j'ai un torticolis, c'est affreux. J'ai mal. La fille qui est tout le temps en train de se plaindre. Elles sont belles aussi, tes enveloppes mauves. J'espère que vous voyez bien tout. Il est magnifique ton tag avec hop, une partie en plastique, là. Enfin, hein, plastique. Et puis, c'est très joli. Hein. La vie est belle. Bah oui, la vie est belle. Hein. Je te remercie. C'est très beau. Très, très beau. Quel travail. Oh, mais t'as ton rends compte, mais t'es folle. Ça, c'est un ABC, non? Si, c'est un ABC, ça. Paysage enchanteur. Il est avec des patouilles sur des encres à alcool, hein, sûrement. Il est très beau. Hein. Très, très, très joli. Qu'est-ce qu'elle a mis comme. Attendez, je regarde un truc. Le rire est un tranquillisant sans effet secondaire. Hein. C'est de Arnold Glasso. Hein. Glasso, hein, pardon. Elle est très beau. Très, très beau. Ta patouille, elle est magnifique, magnifique. Hein. C'est les encres à alcool, hein, avec du foil et tout ça. C'est très joli et très réussi. Ta patouille, j'adore. Magnifique, magnifique. Je t'en ferai un. Bah, pas tout de suite, mais je t'en ferai un. J'ai encore pareil. J'ai toujours des réponses à faire, tout ça. Je sais pas. Et ça, oh, c'est du plastique fou, ça, non? C'est un plastique fou, je crois. J'adore la marguerite. Et bah, peut-être ça. Ah, peut-être. Non, j'aurais peur de le casser. Ah, oh, non, j'ai peur. Non, parce que. Pour ma prochaine maison ou tout ça. Si, enfin, maison, je dis maison. C'est ça. Maison. Retour maison. C'est ça. Non, j'ai peur de le casser, on ne sait jamais. Et très beau, elle est très beau. Elle l'a fait en plastique fou, je pense. Ça, c'est une marguerite. Très, très jolie. Hein. Ouais, mais vous êtes trop doué, hein, trop fort. Hein. C'est bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. Hein. J'adore. Magnifique, magnifique. Mais tu es complètement ravagée. Regarde-moi ça, tout ce qu'il y a. Oh, c'est beau ça. Oh, c'était tout mignon, le petit lutin. Il y a du glossy sur le petit chapeau. Il y a plein de détails. Vraiment, il y a plein, plein de petits détails. Les petits polaroïdes comme ça, ils sont trop beaux. Hein. Smile avec le petit. J'adore. Et là, oh, j'adore. Et qu'est-ce que c'est bien fait. Magnifique, regardez ma petite marguerite Peace and Love. Oh, j'adore, elle est trop belle. J'adore. Et oh non, c'est excellent. Excellent, excellent, excellent. Excellent. Ah, je suis trop fan. Elle a colorisé au crayon de couleur, mais c'est trop bien fait, trop bien fait, trop bien fait. Vraiment, j'adore, 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 j'adore. Oh non, mais c'est une folle. C'est une folle, hein.
Ah bah tiens, des CPC. Tiens, des CPC. C'est un ananas. Avec ma petite marguerite, c'est nanana. Nanana. C'était comment? Nanana. Non, c'était. Nanana. Oh, il y a une chanson comme ça. Nanana. L'ananas. L'ananas. C'est l'ananas. Elle a mis l'ananas. L'ananas. Trop, trop bien. Cozy. Elles sont bien. C'est une ATC. Hein, une ATC qu'elle a appelée Café Cozy. Super bien fait. La patouille, elle est magnifique. C'est une patouille. Hein. Trop, trop jolie. Hein. Et là, la marguerite avec son cœur. Il y a du glossy sur le cœur. Oh ouais. C'est un CPC cœur rose. Hein. Trop, trop joli. Super, super, super. Tes créations sont magnifiques, magnifiques. Hein, magnifiques. Ah, j'ai fait tomber le papier. L'emballage, c'est de l'emballage. Ça, c'est des petits tags, des petits embellissements, des petits éphéméras vintage. Voilà. Oh, tout ce qu'il y a. Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon cœur. Et vous faites refleurir tous ces moments de bonheur. Je me souviens d'un jour de délire. La 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 la. Souvenir, souvenir. Oh, c'était mignon. Oh, le petit carnet éléphant avec les marguerites. Oh, c'est trop chou. Les marguerites, le cœur. Oh, c'est trop charmant. On adore. J'adore. Hein. C'est tout mignon. C'est trop mignon. Hein. J'en ai mal aux joues tellement je. Si, j'ai mal. Hein. J'ai mal. J'ai mal. Et ça? C'est plein de petits cadeaux, quoi. Plein de petits, des petits cadeaux. Ah, dis donc, on dirait des. Ah, bah tiens. On dirait des. Comment qu'on appelle ça, là? Des. Ananas. Vous avez compris, quoi. C'est ananas. Mais on a le droit de rigoler. Oh là là. C'était un. C'est des. Comment ça s'appelle les trucs, là, qu'on repasse, là. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai perdu le nom, j'ai perdu le nom. Hein. J'ai perdu le nom. Des petits machins comme ça. Vous avez compris, quoi. Si, vous avez compris, ça se repasse sur les vêtements et tout ça. Vous voyez? Des trucs quoi, hein. On a tout ce qu'il y a. C'est une folle. Et ça, c'est des jolies images aussi. Hein, je peux pas tout vous montrer un par un, c'est impossible. Hein. C'est des jolies, c'est pareil. C'est des jolies petites feuilles pour décorer, machin, tout ça quoi. Hein. C'est très beau. Hein. Le chat, le teckel, les papillons, c'est très beau. Mais t'es folle, écoute. Oh! Et ça, c'est plein de découpes de chat, des pattes de chat, plein plein de petites pattes de chat avec des petits cœurs au milieu. Si, c'est des petits, comment, des petits hachachages de pattes de chat. Il y a le cœur là sur la patte. Si, il y a le cœur sur la patte. Hein. Il a le droit d'avoir le cœur sur la patte. Hein. C'est trop charmant. J'adore le cœur sur la patte. Alors, oh non, complètement ravagé. Des feuillages. On a toujours besoin de feuillages. Et ça, c'est super, super de m'en avoir fait. Je te remercie du fond du cœur. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Elle les a fait avec des patouilles. Hein. Elle a fait des patouilles. Après, elle a fait des découpes de fleurs, de feuilles dedans. Et ça marche toujours. Oh, je vais le mettre. Hein. J'ai le droit. Hein. Si, hein, c'est un. Comment qu'on appelle ça? On appelle ça une broche. Mais j'ai le droit de mettre une broche. Non, mais dites donc. Hop là. Hop là, ça me va bien. Hein. De toute façon, tout me va. Hein. Tout me va, tout me va. Regardez-moi ça si je suis pas magnifique. Hein. J'ai le droit. Hein. Je te remercie. Oh, tout ce qu'il y a. Alors là, c'est des petits stickers. Vous savez, les petits stickers, mais vachement fins, là, transparents. C'est des papillons, des plumes. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a plein de choses. Des jolies plumes. Hein. Elles sont belles, ces images de marguerite. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles avec les gouttes de pluie dessus. J'adore. C'est beau, mais c'est beau. Qu'est-ce que j'adore cette fleur. Oh, jamais je m'en lasserai. Jamais, jamais, jamais. C'est quoi ça? Ah ben ça, pareil, c'est des petits stickers, là, des petites étiquettes des petits autocollants, là, hein, mais très très fins, là, transparents. Hein. C'est joli ça pour les herbiers, tout ça. Enfin, même pour tout, hein, pour tout spécial. C'est aussi sympa, tiens, pour mettre sur du rhodoïde et faire une jolie carte. Ah, ben tiens, tiens, je vais laisser sortir cela. Il y a du vert là. Je vais mettre tout ça ensemble et puis je ferai une petite carte transparente avec du rhodoïde. Mais si on n'a pas de rhodoïde, j'ai une autre solution. Hein. Donc, ce sera sympa. C'est quoi tout ça encore? Oh là là. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est quoi ça? Ah, mon kit adoré.
Ah ouais. Ah, mamie, t'es folle, hein? Oh, tout ce qu'elle m'a mis. Il y a des papiers, des... C'est joli, ça, tiens, aussi. Ah oui, c'est des ribbon. Vous savez, c'est le truc qu'on gratte avec les bâtons pour... voilà, pour déposer sur du papier et tout ça. Ça peut être super joli aussi, ça. Hein. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Ah! Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh là, c'est quoi, hein? Des patouilles, des patouilles, des patouilles, des patouilles. Hein. Elle est belle, la rose, là. Magnifique, magnifique, magnifique. Elle est trop belle. Elles sont trop belles, tes patouilles. Hein. Tu fais de la concurrence à ma patouilleuse. Elles sont trop belles. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça, elle l'a fait à la machine, non, peut-être, non? Tu l'as peut-être fait à la machine, non? Ah non, peut-être à la mousse à ras. Ah non, je sais pas. Les pigments. En tout cas, c'est des pigments, c'est des poudres. Enfin, c'est des poudres. Hein. Ça ressemble à des patouilles de poudre. Bruchot ou... Ouais. Ça fait très beau, ça fait très très beau. Le rendu, il est superbe. Superbe, superbe. Oh. Alors ça, c'est des sacs hein, pour mettre dans les junk. Hop, hop. Je vais jamais arriver à tout ouvrir, hein. C'est impossible. Hein. Comment je vais faire? Ça, c'est du papier gaufré rose. Ah, c'est joli. Tiens, je l'aurais eu pour octobre. Ah bah non, quoique non, cette année, c'était les... J'ai pas vu la vidéo passer, j'ai pas le temps. Ça, c'est pour faire des étiquettes. C'est des étiquettes autocollantes. Hein. Ça, donc du papier gaufré rose. J'ai pas eu le temps de regarder la vidéo de l'Institut Curie là pour voir si. J'ai pas eu le temps. Plein de papier gaufré rose. Hein. Ça, c'est joli. Hein. C'est très très beau. Hein. Et ça, c'est quoi? Relever le défi de l'évolution, les énigmes de. Oh, il est chouette ton bouquin. J'adore. J'adore les vieux bouquins, les vieilles images comme ça, vintage. Les éléphants là. C'est très beau. Ça sent bon, ça sent le vieux papier, vous savez. Je sais pas si vous savez, mais c'est très très joli. Hein. On peut faire des jolies choses avec ça. Hein. Oh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Trop, trop beau. J'adore. Oh, tout ce qu'il y a. Je suis pas contente. Hein. C'est quoi ça? Oh, c'est un zibou, ça. Si, c'est un zibou. Hein. Oh, c'est une crème. Je suis romantique. Crème pour les mains à la litchi groseille. Mais je vais trop sentir bon. Je vais trop sentir bon. Oh, tout bien. Mais c'est vachement bien. Mais t'es fan. C'est quoi ça? C'est de la glu? C'est de la colle? Super forte. Extra glu. Ah, je vais la tester, tiens. Extra glu. Je connais pas. Je connais pas. En même temps, je connais pas grand-chose, moi. C'est vrai, en plus. Je testerai. Ça! C'est le petit, ah ben c'est un petit équel, hein, ça, presque un petit joy. On pourrait penser que c'est joy. Hein, si on pourrait penser que c'est joy. Et alors? Ouais, je sais, tu l'attends. Si, ça, c'est une charlotte. Si, c'est pas charlotte aux fraises, c'est une charlotte. Et alors donc? Mais j'ai le droit de mettre ma charlotte. J'ai tout à... Ça me va trop bien, les charlottes. Ah, tout le monde devrait porter la charlotte. Ah, ah si, c'est très bien. Moi j'adore les charlottes, j'adore les charlottes quand même. J'ai le droit de mettre une charlotte si j'ai envie de mettre une charlotte. Hein. Donc elle m'en a envoyé plusieurs hein, parce qu'il faut changer de charlotte régulièrement, vous savez. Si. Et alors c'est quoi ça? Attendez, je suis perdue, il y a trop de trucs. Je suis perdue. Oh là, tout ce qu'il y a. Ça c'est. Oh, des bonbons! Ah ben ça tombe très bien, hein. Si, ça tombe très bien, j'étais en rupture. Si, j'étais en rupture, j'ai tout mangé hier. C'est des bonbons. Alors, ils sont vachement bons. Vous savez qu'ils sont vachement bons, ceux-là. Je ne sais pas si vous les avez goûtés. Hein. C'est les véganes. Et alors, moi, j'achète pas spécialement de trucs véganes. Hein. Mais c'est l'une d'entre vous qui m'en avait envoyé une fois. Et c'était vraiment délicieux. Hein. Ah, si, si, très, très bon. Hein. Je suis super contente parce qu'ils sont vachement bons. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Ça ressemble. Mais je ne sais pas si c'est les mêmes. Mais en tout cas, ils étaient super bons. J'ai tout avalé, bien sûr. Hein. Ça, c'est des stickers. Hein. C'est des stickers. Je baisse un peu là parce que. Hein. Et alors, ah bah tiens, ah c'est quoi ça? Oh bah tiens, je vais la partager aussi. C'est aussi une petite poupette. Hein. Je sais. Bah, je vais la partager. Il y a la poupette. Et alors là, il y a des. Ah bah c'est mignon ça. Pour mon junk couture, hein, n'est-ce pas? Qui est en cours de. Ouais, c'est cela. Ouais, il n'est pas fini, hein, loin de là. Et alors, c'est pas grave. Hein. Des petits tampons, ciseaux, ciseaux, voilà, un petit dé à coudre, un petit bouton. Et puis ça, c'est une petite bobine de fil. Hein. C'était tout mignon. Je vais partager ça aussi, hein, si vous êtes gentil, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Sinon, que dalle. Hein. C'est quoi tout ça? Oh non, tout ce qu'il y a. Bon, j'en ai mal au ventre. Ah si, c'est... vous me donnez mal au ventre tellement vous... il y en a trop des choses. Et ça, c'est quoi? Oh, mais il y a ça aussi. Non, mais je sais plus où donner de la tête. Je suis en vrai. Oh, il y a ça. Ils sont beaux, hein. Ils sont trop magnifiques, hein. Rêve de voyage, liberté chérie. Oh, regardez avec l'oiseau du paradis. Elle a... Oh, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Laissez-les s'envoler. C'est beau. Battement d'ailes. Regardez, je vais les mettre en partage aussi.
C'est très beau, hein? Très très magnifique, hein? Ils sont d'une finesse, ils ont d'une beauté, il y a le sentiment en français, hein? Battement d'ailes, souvenir, souvenir de je sais pas quoi, d'été, souvenir d'été, rêve de voyage, liberté chérie. Liberté chérie, j'aime beaucoup. Alors ça aussi, je vais mettre en partage. Oh, ben, j'ai un peu de boulot à vous préparer tout ça, hein? Ah si, j'ai un petit peu de boulot à préparer tout ça, faut que je déballe, faut que je tamponne, faut que je machin, faut que je scanne. Faut que je... Ah ben ça se fait pas tout seul, hein. Non, ça ne se fait pas tout seul, hein. Qu'est-ce que vous croyez que ça se fait tout seul? Non, ça ne se fait pas tout seul. Alors, donc pour ce faire, ben, ça se trouve, vous n'aurez la vidéo que demain, hein. Ah ben, je peux pas tout faire, il faut que j'aille au travail, vous savez. Si? C'est quoi ça? C'est des choses qui sont emballées comme ça, de taille, je trouve ça toujours bizarre. Hein. Et comme c'est bien emballé, ça doit être fragile. Si, ça doit être fragile. Oh là là! Alors donc, c'est quoi? Huile de... Oh, ça, oh, c'est trop bien. Ouais, ça, je le garde. Ça sent bon. Huile de rose. Ça sent... Bah, ça sent la rose. C'est pas ça sent pas la rose, ça sent la rose. Si, ça sent la rose, hein. Et alors, je dois m'en servir comment? Parce que... Est-ce que je m'en sers pour ma peau? Pour... Regardez ma peau, mon visage. Je suis d'une... Ah, je suis d'une beauté grâce à l'eau de rose. Je mets de l'eau de rose sur mon visage. Et de l'eau de bleuet sur mes yeux. Ça se voit. Ah, ça se voit quand même, non? Et alors, bah, non, je ne me maquille pas et tout ça. Bah, je ne maquille plus, quoi. Bah, oh, je pourrais, hein, mettre du Ricil. Mais je mets de l'eau de rose et de l'eau de bleuet. Et des fois, je change. Des fois, je mets de l'eau de camomille, là, tu sais pas quoi. Ou de... Ah, bon, ce qu'il y a, quoi. Sinon, c'est de l'eau du robinet. Je suis en rupture, je mets de l'eau du robinet, ça va aussi. Hein. Donc de l'huile, je sais pas, je me le mets. Je peux, est-ce que je peux me le mettre sur le visage? Parce que c'est écrit, c'est écrit déjà tout petit. Moi, je peux pas lire. Non, même avec mes lunettes, hein, je vois pas. Donc, je sais, non, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à lire. Hein. Non, j'y arrive pas, c'est trop petit. J'arrive pas, hein, j'arrive pas. Tu me diras, s'il te plaît, tu me diras, parce que je sais pas comment on l'utilise. C'est écrit tout petit, petit. Il me faudrait une loupe. Je n'ai pas de loupe, je n'ai pas, je n'ai pas. Alors, donc, mais je suppose que c'est pour me faire une beauté sur le visage ou ailleurs. Hein, genre, je fais où je veux ma beauté. Hein, non, mais dis donc. Alors, vous avez compris. Alors, ça, c'est quoi? Oh non, non, je suis perdue. Hein. C'est quoi ça? C'est un joli livre aussi, ça. Ou alors un tableau? Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On est à combien de temps? Oh non, non. Comment je vais faire? Oh, j'ai le droit de déchirer. J'ai le droit de déchirer. Hein. Bon, je fais ce que je veux. Alors, c'est un joli. Ouh, c'est beau ça. C'est beau, c'est le chat. Si, c'est le grand dicodrôle du chat. Je vous lirai une histoire de temps en temps, peut-être. Hein. Oh, ça va être. C'est bien ça. Hein. J'adore moi quand il y a des dessins. Vous savez, j'adore quand il y a des dessins. Hein. Ah, tu devrais voir ça. C'est du pipi de chat. Ben si. Je vais le lire tranquillement, hein, tranquillement. Vous savez que je n'ai toujours pas fini mon livre Angélique. Hein. Non, j'ai toujours pas fini. Hein. Bah non, j'arrive pas. Je m'endors. Hein. Je lis un mot, paf, je m'endors. Ah, bah, c'est un bon somnifère hein, de lire des trucs d'Angélique. C'est ça. Allez, je crois que j'ai fait le tour. Si, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour de la question du colis. Non, mais c'est une folle. Hein. Non, mais c'est une folle. Hein. J'avais dit rien, rien, rien. Bah non, elle pense plus. Et alors, ça doit être l'agenda. Alors, pour ce faire. On va regarder le premier jour, hein, et alors on va se quitter comme ça. Hein. Alors attendez, je déchire pas les jolis feuillages parce que je vais les récupérer. J'ai le droit de récupérer le feuillage. Hein. Waouh, c'est joli. Je crois que c'est du papier peint. Je crois que c'est du papier peint. Il est trop beau. Hein. C'est le même que là, je suppose. Hein. Et je suis, ben si, je suis sûre, même, je sais même pas pourquoi je dis, j'en suis sûre et certaine. Elle a fait une reliure avec des petits anneaux, mais argentés, hein, des petits anneaux. Et alors, on a trop hâte, hein. Ouh, c'était joli. T'es tout mignon, le petit hérisson. Si, c'est un petit hérisson, hein. Alors, hop là. Il est beau, hein, ton. Oh, c'est un beau gosse, hein. Si, c'est un beau gosse, hein. Acteur préféré de John Ford, hein. De Duck. Et l'incarnation du cow-boy, hein. Ah non, oui, non, n'importe quoi. N'importe quoi, hein, je bogusais, moi, je bogusais, moi. Indice. Acteur préféré. Ah non, il faut deviner qui c'est. Hein, ça, là, vous voyez? Alors, je vous donne des indices. Alors, acteur préféré de John Ford. B, The Duck. C, et l'incarnation du cow-boy. J'ai rien compris à ce que j'ai lu. Hein. J'ai rien compris.
pas ce que j'ai lu. Ou alors un joli marque-page. Il est vachement beau. Regardez-moi ça, cette patouille qu'elle a fait. Le travail qu'il y a là-dessus. Hein. Oh là là, avec les tamponnages, la patouille, les tamponnages, les images. Enfin, c'est très joli. Alors, il y a marqué quoi? Coucou Inès, tu trouveras derrière toutes les solutions des jeux de l'agenda de novembre. À toi de voir si tu en as besoin. Bah oui, j'en ai besoin des solutions. Je suis nulle, moi. Alors, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau ce qu'elle a fait. Elle a fait ça avec des pages. C'est super beau. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a utilisé comme papier. C'est trop beau. Hein. Donc, le premier, regardez comme c'est joli ce qu'elle a fait. C'est trop beau. Hein. Toussaint, bonne fête à tous. Hein. De la verdure encore à la Toussaint, c'est de la neige à Pâques. Hein. Ah bah ça se peut, ça. Hein. On dit Noël au balcon, Pâques au tison. Hein. Ah si. Alors, donc, joyeux anniversaire à Ludivine Go, hein, HHH97, Séverine Ziglio, HHH191. Hein. Et alors, c'est anniversaire aussi de Tina Arena et de Fabrice Lucchini. Hein. C'est super joli ce que tu as fait. Il est mignon le petit chat dans le bocal. Hein. Si. Et ça, là? Ah bah c'est pareil. Oh, mais on dirait comment il s'appelle lui? Indice. Robinson des temps modernes, Allo Houston et Cour Forest. Vous avez vu? Hein? Ça c'est comment il s'appelle? C'est comment il s'appelle? J'adore cet acteur. C'est oh mince. Oh j'adore cet acteur. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Tom Hanks? Non c'est pas Tom Hanks? Si je crois que c'est Tom Hanks, non? Il me semble. C'est Tom Hanks? Non l'autre là. Comment il s'appelle? Si, bon, la coupe de cheveux des années guitare, mais oui, je sais. Alors, donc, je crois que c'est Thomas. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai un doute, je confonds avec un autre. Et alors, demain, c'est demain, hein? Alors, et si, il faut que j'aille au boulot maintenant. Et j'ai quand même réussi, si j'ai relevé le défi. Donc, vous n'aurez cette vidéo que ce soir. Pourquoi? Parce qu'il faut que je, comme promis, hein? Comme promis, bah si, si, bah si, ça va bien. Alors, je partagerai donc cette planche là, donc il faut que je la prépare, hein, donc avec plein de jolis, c'est joli tout plein, un battement d'ailes, j'adore, c'est très mignon. Ensuite, la petite poupette comme ça, hein, ouais, vous la voyez, hein, voilà, une petite poupette, hein. Les petits ciseaux, les machins, le brin de muguet, là, je crois que c'est un brin de muguet, mais il faut que je le fasse, enfin, hein, ça va pas se faire tout de suite, donc, hein. Et puis, la petite poupette comme ça, elle était toute mignonne, hein, d'accord? Je partage tout ça, je prépare, machin, tout ça, et je mets en lien, comme d'habitude, hein, sous cette vidéo, d'accord? Et comme j'ai plus de place dans mon drive, non, je n'ai plus de place, hein, parce que j'effacerai, parce que vous en foutez, enfin, on n'a plus besoin, vous savez, tous les sketchs, hein, les sketchs, je les mets sur la communauté maintenant, enfin, quand j'y pense, mais c'est pas nécessaire de les mettre en lien, je trouve, enfin, je sais pas, hein, bon, je sais rien, je continuerai à les mettre en lien, c'est pas sûr, hein. Quand ils sont sur la communauté, ça suffit, hein, vous les regardez, puis vous les, ouais, hein. Pas besoin de se surcharger le drive, parce que c'est plus intéressant d'avoir des tamponnages comme ça, par exemple, à télécharger, hein, gratos. C'est gratos. Donc, vous mettez un petit pouce pour remercier les partages des copines, hein, parce que c'est vraiment super sympa, c'est super gentil. Hein. Donc, je vous embrasse très fort. Hein. J'ai passé un très bon moment, un très bon moment. Hein. Merci pour tout, merci d'être là, merci, voilà. Hein, et puis on se dit à demain. Si demain vous ne me voyez pas, ça peut arriver quand je suis vraiment la débordée, il faut que je range un peu toute ma stringue. Si vous ne me voyez pas demain, ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous me verrez après-demain. Hein. Ben si ça peut arriver, on sait jamais, je préfère vous prévenir. Hein. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, hein, et puis à bientôt. Ciao.